Salam alaikum, salut à tous. Je ne vais pas vous parler du karting, je ne vais pas vous parler s'il faut taxer ou taper sur les riches et contre des yachts et autres, ou vider votre piscine et jacuzzi et compagnie. On n'est que sur des sujets périphériques et c'est accablant. Accablant pour les médias parce que c'est eux qui toujours mettent ça dans les débats et l'économie passe complètement à l'as. Alors que c'est. Alors, ils sont passés à l'as lors de la campagne parce qu'ils étaient dans leur histoire d'identité quand les Français disaient j'ai faim. Et ça s'est traduit dans les élections. Et là encore, avec une inflation foudroyante, même si en plus elle est un peu camouflée, ils annoncent que 6, mais ils se foutent la gueule du monde. Et le problème, c'est qu'on n'en a pas vu le jour. Et là, on a Macron qui fait deux sorties en disant que c'est le prix de la liberté, le prix du truc. Il y a toujours une excuse pour l'avoir. Alors qu'avant les élections, il ne tenait pas du tout le même discours. Hein. Je parle même pas de Bruno Le Maire qui voulait mettre à genoux la Russie. Et puis c'est nous qui finissons à plat ventre. Donc ce sujet est très important. Et je vais le composer en deux parties. Donc la partie pour l'inflation. L'inflation n'est pas mauvaise en soi. Si de l'autre côté, on augmente les salaires pour éviter la perte de pouvoir d'achat. Ça, c'est le premier enseignement. Et pourquoi il y a une vertu dans l'inflation? C'est que si on fait le jeu, comme en Turquie, ils se foutent de la gueule, je crois, de l'inflation. Ben ouais, pas de problème. Il y a une inflation, mais il y a une augmentation de 50, après une augmentation près de 40%. Ouais, sauf que nous, en France, l'inflation a plus de 6 officielle. Moi, elle est près du double, plus proche de la moyenne européenne en réalité qu'autre chose. Et donc, les salaires n'ont pas été augmentés. Et même les pensions de retraite, je vous rappelle qu'il les a augmentées de 4, hein, les gros malins, alors que l'inflation est de 6. Et que quand il y a eu un amendement qui a été fait, qui les mettait à 5, le gouvernement l'a remis au vote. Et il a acheté les LR, et les LR se sont couchés, et il est revenu à 4. C'est important de refaire un peu d'historique. Et ça s'est passé cet été. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Encore une fois, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas une incitation au crédit. Attention. Et je ne m'adresse pas forcément aux gens de confiance mutuelle, je m'adresse à tous les Français. Pourquoi l'inflation, si c'est bien géré? Parce que l'inflation permet le désendettement. Je m'explique. Si vous gagnez 1000 euros et vous avez un crédit à 33% d'endettement maximum, à 330 euros, d'accord? 1000 euros, vous êtes à 33%, c'est 330 euros. Mais si on augmente votre salaire à la hauteur de l'inflation, 6%, donc, vous ne touchez plus 1000 euros, vous touchez 1060 euros. Vous voyez la différence? 1060 euros. Donc, quand vous faites votre delta entre 1060 euros et les 33% d'endettement que vous avez sur les 1000, ben vous baissez votre endettement. Et si vous faites plusieurs années comme ça, 2, 3, 4 ans comme ça, mais que vous montez à 25-30%, eh ben, ça veut dire que vous aurez baissé votre endettement. Il ne serait plus forcément de 33%, mais peut-être de l'ordre de 20%. Pourquoi? Parce qu'en plus, celui qui a emprunté aux alentours de 1%, 1,5%, même aujourd'hui quand il dit 2% sur 20 ou 25 ans, il faut savoir que ce n'est même pas de l'usure que vous remboursez. Vous ne remboursez même pas l'inflation. Donc tous ceux qui ont emprunté, en fait, se sont enrichis. Et ils vont continuer à s'enrichir. Parce que quand tu as une inflation à 6%, et un taux d'intérêt à entre 1 et 2%, vous gagnez 4%. Il n'y a rien de compliqué. Encore une fois, ce n'est pas faire la promotion du crédit, parce que je ne suis plus pas un adepte d'influencer. J'essaye d'avoir cette réflexion purement économique. Et d'ailleurs, j'aimerais que les savants, parce que moi, je n'ai pas cette science-là, moi, je m'occupe de la chose publique, et je reste à ma place, je ne peux pas contre tous ces blaireaux qui s'attribuent ce que j'appelle les imams 2.0, il faut des gens de science. Il faut que des savants puissent trancher cette situation. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est de l'usure quand on rembourse 1 et que l'inflation est à 6. Ce n'est pas de l'usure. On rembourse même pas de l'inflation. Vous comprenez mécaniquement ce qui est mauvais, c'est ce qu'on appelle l'usure, c'est-à-dire que il y a une forme d'appauvrissement parce que quand celui qui prête, il s'enrichit. D'accord, mais là, celui qui prête, il s'enrichit pas du tout, il perd même de l'argent. Et d'ailleurs, celui qui a du cash aujourd'hui, il perd de l'argent. Quand vous avez 100 euros de côté et que vous avez une inflation de 6, c'est-à-dire que les produits augmentent de 6, eh bien, vous avez plus 100 euros au bout d'une année.
vous avez 94 euros. Donc le cash aujourd'hui, il est à bannir. Le cash, investissez dans je ne sais pas quoi, mais sortez vos positions liquides, hein, espèces, parce que vous perdrez de l'argent. Je pense que pour moi, ce n'est pas pour défendre ma paroisse, j'ai toujours fait ça d'ailleurs, et c'est comme ça aussi, alhamdoulilah, que je me suis enrichi. C'est la pierre. La pierre, c'est une sécurité. La pierre, elle prend de la valeur. Parce que quand on augmente forcément les salaires, ben, on crée aussi une inflation dans le bâtiment. Puis là, le bâtiment, les prix de matériaux aussi augmentent, etc. Donc, et ça de façon internationale. C'est le placement de pépère. Mais l'immobilier, ce n'est pas quelque chose de court terme. L'immobilier, c'est toujours quelque chose à long terme. Hein, il faut viser sur 10 ans. Voilà. C'est pas pour faire un aller-retour comme moi je faisais à l'époque, un petit peu ce qu'on appelle le marchand de biens. J'achète, je rénove et je revends. Non, c'est pas pour faire un one-shot. C'est fait pour garder. Donc, j'invite. Alors, ça peut être chacun fait avec son budget. S'ils n'ont pas acheté l'argent pour acheter un appartement ou autre, ça peut être des box, ça peut être des parkings, tout ça, etc. Et vous avez vu, les parkings ont explosé, tout ça, etc. Encore une fois, c'est pour ceux qui le peuvent hein, que je dis ça. Le deuxième volet, c'est que je voulais voir avec vous, c'est le fait que la monnaie se dévalue. Je vous rappelle que quand on était sur 1,50$, 1,60$ pour avoir 1 euro, ils hurlaient en Europe. Mais non, le dollar est trop faible, les Américains ils dévaluent leur monnaie. D'ailleurs, les Chinois passent leur temps à dévaluer leur monnaie. Les Japonais dévaluent leur monnaie, etc. Pourquoi ? Pourquoi ça peut être aussi une aubaine pour la France? Parce que quand vous vous rappelez, vous faisiez Airbus, la compétition entre Airbus et Boeing, le marché mondial, il se fait en dollars. Je vous donne cet exemple-là, mais vous pouvez le multiplier dans tous les domaines. Donc le marché. Donc on avait Boeing qui était construit sur un zone dollar avec un dollar très faible, à 1,50, 1,60. Donc quand ils vendaient, ils étaient beaucoup plus compétitifs sur les prix que Boeing. Et Boeing était emmerdé parce qu'ils disaient, nous, on est en zone euro et on est hyper handicapé avec une monnaie euro trop forte puisque le marché, il est en dollars. Alors déjà, ça m'est encore une autre vidéo. Il faut arrêter l'hégémonie du dollar parce qu'en plus, quand vous utilisez le dollar, vous avez plus votre propre diplomatie. Parce que c'est les États-Unis qui viennent vous sanctionner et vous disent « parce que tu utilises ma monnaie, que tu dois suivre ma diplomatie ». Donc vous comprenez, et ça, personne n'en parle. Ça fait zéro débat. Quand vous, et rappelez-vous, les sociétés françaises qui, eux, étaient aussi aux États-Unis, ils ont été fracassés parce qu'ils ont fait des business en Iran ou ailleurs, ou alors que les Américains disent « mais nous, vous utilisez notre monnaie, il est interdit que quand nous, on dit, ils font leur fatwa, t'es puni, t'as pas le droit de faire business. Quand ils disent « tu fais pas avec Cuba, tu fais pas avec Cuba, quand tu dis pas avec l'Iran, l'Iran ». Donc, et tout ça, c'est pour ça qu'elles me font rire avec le conflit ukrainien, tout ça, et truc, vous l'avez bien compris, c'est pour installer, renforcer le dollar, etc. Et Poutine y répond de la meilleure manière en utilisant sa propre monnaie, et sa monnaie se porte mieux d'ailleurs, et faire des échanges avec les monnaies, les trucs. On verrait que tous les pays du Sud, leur monnaie a été fracassée. Et certains, pour éviter, parce que ça fait mal la dévaluation, parce que quand vous achetez vos produits à l'extérieur, vous l'achetez en dollars, et donc quand vous dévaluez, automatiquement, ça crée une inflation qui est importante. Et c'est comme ça qu'ils ont plié des pays, comme le Panama, comme l'Équateur, etc., qui utilisent le dollar et plus leur monnaie. Et donc, du coup, ils n'ont plus de politique diplomatique, ils n'ont plus rien, ils sont aspirés, ils sont tributaires des Américains. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais pour revenir sur la dévaluation de la monnaie, désolé parce que ça semble un peu technique et j'essaie de vous le vulgariser un maximum. Quand vous dévaluez votre monnaie actuellement, par exemple, on reprend l'exemple de Airbus et de Boeing, eh bien, alors qu'est-ce qu'avait fait entre-temps Airbus? Il a dit, bon, on va construire un morceau à Toulouse, un morceau au Portugal, un morceau en Allemagne. Et en fait, ils ont désossé l'entreprise et en la délocalisant pour essayer d'affaiblir les coûts de revient d'un avion. Pourquoi? Parce que justement à cause de cette monnaie qui était trop forte. Et aujourd'hui, on a le fait inverse. Il y a une monnaie, un euro qui est parfois en dessous du dollar ou à l'équivalent, grosso modo, en ce moment, c'est ce qui se passe. Mais la monnaie, elle s'est pris une tarte pas possible. Donc, ça peut être une chance. Et là, je viens de vous parler d'un autre exemple pour la Turquie. La Turquie, tout le monde qui se moquait sur la dévaluation de la monnaie, etc. Mais la Turquie bat des records d'exportation tous les mois. Des nouveaux records 10 historiques. Tous les mois. Pourquoi? Ben parce que comme le marché il est en dollars et que la monnaie est dévaluée, eh ben ça permet eh ben de produire à moindre coût et donc d'être beaucoup plus compétitif. Et donc la France, elle a une fenêtre là-dessus. Parce que, chose qu'ils ne vous disent pas tous les politiques, quel que soit, il n'y a pas que Macron, il a fini le travail. C'est que depuis Sarko, tout ça, etc., ils ont dit on va faire plutôt du service. Et on ne va pas se combattre sur l'industrie, on laisse partir l'industrie, mais ça ils ne l'ont pas dit, hein, mais ils l'ont fait, pour que l'industrie, ben, ça va être, notre usine, ça devient la Chine. Alors,
un peu dans les pays de l'Est de l'Union Européenne, parce que ça coûte moins cher, etc. Et puis les Allemands, alors là, ils se gavent avec ça. Hein. Un peu en Tchéquie, ça coûte beaucoup moins cher, tout ça, etc. Alors, les Allemands, ils sont très forts là-dessus. Mais la France, elle a été un peu couillon là-dessus. Et du coup, on se retrouvait, on est complètement appauvri. Mais le problème, c'est que là aussi, comment voulez-vous une indépendance dans un pays quand vous êtes tributaire, même pour des masques de l'étranger? Mais quand on est incapable de fabriquer des masques, des appareils respiratoires, etc., le problème, c'est qu'avoir déplacé le tissu industriel, le laisser partir à l'extérieur de la France, ben on se retrouve à poil. Et aujourd'hui, nous, alors que la monnaie elle est en train de se faire fracasser, on bat quand même toujours des records de la balance commerciale est toujours déficitaire, on bat des records de déficit commercial. Qu'est-ce qu'un déficit commercial? C'est quand vous soustrayez ce que vous exportez et ce que vous importez. Et le bilan de la France, c'est plus de 80 milliards. C'est-à-dire qu'on importe plus. Mais comme on importe, et qu'on utilise l'euro, mais on va sur un marché en dollars et que l'euro a pris une claque, eh ben, le différentiel qu'il peut y avoir, ben, vous le prenez dans votre gueule. Donc, ça veut dire que les prix, ils vont encore flamber à cause de la dévaluation de la monnaie. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est mécanique. Parce qu'on achète en dollars. Donc, si le dollar est plus fort, ben, que nous, avant, par exemple, je sais pas, moi, on achetait un produit, quelconque, tu vois, voyez, on prend ça, des bonbons, ça, je l'ai acheté 0,90, ça me revenait en euros par rapport au dollar, mais maintenant que le truc, ben, le dollar, il est pratiquement au même niveau, voire un peu au-dessus, ben, je le paye plus 0,90, je vais le payer 1,10. Voilà. Et là, vous prenez 20 points dans la gueule, plus de 20 points dans la gueule. Pourcent d'augmentation. Donc, l'inflation va encore grimper à cause de la dévaluation de la monnaie. Alors, on me dit, mais pourquoi il y a cette dévaluation? La dévaluation, là, c'est le marché qui le fait. Pourquoi? Parce que le marché vous dit, ben, comme ils ont fait sur la Turquie, quand Erdogan a refusé de baisser les taux d'intérêt, ben, le marché, ils ont fracassé. Ils ont dit, tu vas augmenter tes taux d'intérêt, pourquoi? Il te dit, parce que, vous savez, il y a le corollaire de l'emprunt, c'est le placement. Donc, si on est avec une inflation, par exemple, à 14, un exemple, mais vous pouvez pas emprunter, dire que vous empruntez à 12, parce qu'il suffit d'emprunter à, si vous êtes à un taux à 14% d'intérêt, d'accord, à la banque, mais que vous avez une inflation à 20, vous avez un différentiel de 6. Parce que quand vous empruntez, par exemple, si le cours est à 20, l'emprunt est à 20, le placement est à 20. D'accord? Ça, c'est mécanique. D'accord? Mais si vous mettez un taux d'intérêt à 14, alors que l'inflation est à 20, ben quand vous empruntez à ce montant-là, vous perdez de l'argent. Mais c'est mécanique tout ça. Donc, le placement, quand on dit les taux par les banques centrales, pour la France c'est la Banque Centrale Européenne, pour la Turquie c'est la Banque Centrale Turque, elle tient compte de cette inflation. Donc si elle te dit j'ai 14 d'inflation, je peux pas avoir un emprunt qui est au même niveau, à 14. Il faut qu'il soit supérieur à l'emprunt pour que celui qui veut placer de l'argent, il gagne de l'argent et qu'il n'en perde pas. Vous comprenez? Donc si on emprunte à 14 et il y a une inflation à 18, ben celui qui place de l'argent à 14 au même titre que celui qui emprunte, ben il perd 4%. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est le schéma inverse. Voilà. Bon, c'est encore un autre sujet. La finance, il faudra leur faire leur peau parce que c'est l'ennemi de tout. C'est l'ennemi des pays, c'est l'ennemi de tout ça, etc. Donc moi, je pense que la France, elle devrait profiter de cette occasion pour peut-être refaire du tissu industriel, etc. Alors, le tissu industriel, il ne suffit pas que le dire. C'est mettre les conditions nécessaires à qu'aux entreprises puissent pouvoir s'installer ou commencer à produire. Mais pour ce faire, il faut, pour moi, le conjuguer à l'aménagement du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons plusieurs régions en France qui ont bénéficié à l'époque du bassin minier ou autre. Une économie qui a été faite sur la grosse entreprise, qui a disparu, et qu'aujourd'hui, on est ce qu'on appelle un peu des endroits un peu désertiques. Et donc, il faut être stratégique pour faire dans ces régions-là, mais c'est le tout Paris, comme d'habitude, qui décide, mais sorti de la banlieue, ils ne savent même pas ce qui existe en province. C'est ça encore aussi le problème. C'est pour ça que je suis pour une décentralisation forte au niveau des régions, pour qu'elle puisse rendre attractif certains territoires en disant, ben, à tel endroit, on va faire avec des avantages fiscaux, avec ci et cela, pour créer la dynamique que l'industrie vient pouvoir s'installer. Et puis, essayer de se refaire un peu là-dessus. Ensuite, on a un autre problème à la différence de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne est très très puissante sur ce qu'on appelle les moyennes entreprises.
les entreprises de 500 salariés, tout ça, etc. Et en France, on a un gros problème, c'est qu'on n'est pas bon là-dessus. Alors après, ça s'explique aussi, parce que plus vous montez en termes d'employés, plus les conditions salariales deviennent drastiques pour les entreprises. Hein, je ne reviendrai pas sur l'intéressement, sur ci, etc. Donc les conditions, elles sont complètement différentes. Voilà, ce que je voulais vous dire, je voulais dire que ça peut être, mais Macron n'en parle pas de tout ça. Voilà. Donc on joue les fatalistes, on dit bah, y a une dévaluation, il y a une inflation, etc. Mais on peut l'utiliser. Et en Turquie, c'est ce qu'a fait Erdogan. Erdogan, il n'a pas tremblé. Il a dit ok, pas de problème. Alors, je n'augmente pas les taux d'intérêt de façon à créer la dynamique au niveau de la croissance. Et c'est ce qui se passe parce qu'il y a une forte croissance en Turquie qui est énorme. Et alors que nous, on parle de récession. Ben oui, pour pouvoir consommer, encore faut-il avoir de l'argent. Et quand on fait peur aux gens qui voient qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire ou infime par rapport à l'inflation, ben, le réflexe des gens, ben, c'est pas de consommer ou de mettre de côté. Ben, je ne parle pas de ceux qui finissent même pas le mois. Alors, eux, c'est réglé. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que ça permet aux entreprises encore de plus de se développer. Et donc, bien sûr, à travers aussi, grâce à la diplomatie, tout ça, etc., de faciliter, puisque là, vous voyez que Macron va en Algérie, etc. Mais tu peux pas les insulter et puis demain leur demander pour faire du business, ça marche pas. Et comme il a fait déjà en Afrique, où il vient jouer le professeur, le donneur de leçons, vous devez pas faire tant d'enfants, vous devez pas soutenir les Russes, etc. Et après, que les mecs aient envie de faire du business avec les entreprises françaises, ça marchera pas du tout. Voilà, je vous dis, tout est corrélé. Et voilà. Et aussi l'inflation, parce que si vous favorisez, s'ils augmentaient les salaires, donc soutenir la croissance, ben c'est plus de recettes dans les caisses de l'État. C'est mécanique. Sauf que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas augmenté les taux d'impôt au niveau de l'inflation. Donc logiquement, par exemple, pour une tranche, je sais pas moi, si c'est de 20 000 à 40 000, c'est un chiffre que je vous donne par exemple. Ben, il faut l'augmenter de 6%. Parce que du coup, les gens, ceux qui ont eu, par exemple, 3% d'augmentation, ici, ils ne touchent pas le taux. Ben, ça veut dire que les gens, ils vont payer plus d'impôts sur un truc où on leur donnait la moitié de l'inflation. Donc, en fait, ils ont perdu deux fois. Ils ont perdu les 3% par rapport à l'inflation et les 3% par rapport aux impôts qui les taxent aveuglément, parce que, ils n'ont pas tenu compte, ben, que le coût de la vie a augmenté. Voilà. Je vais pas faire plus long. Je pourrais rester d'ailleurs plus long, mais c'est voilà, il faut apprendre un peu à digérer toutes ces informations. Mais donc je compte sur vous toujours pour partager, commenter bien sûr, liker. Et vous savez que je lis tous les commentaires, même sur les posts que je fais. L'œil de Moscou, il est là. Et je réponds d'ailleurs quand on m'interpelle, sauf aux blaireaux qui veulent se faire plaisir. Bon, je vous bloque et puis voilà. À la prochaine. Salam alaikum.